Dans Flipgrid, une fois que j'ai créé mon groupe, ma classe, maintenant c'est le temps de leur donner un devoir, donc un devoir qu'ils vont devoir, oui, me répondre oralement, donc une communication orale. Donc, je vais ajouter un devoir de cette façon-ci, donc plus topic avec le titre animal préféré. Ensuite, on me dit que je peux rentrer une question. Donc, quel est ton animal préféré? Donc, c'est pour commencer la discussion avec les élèves pour qu'ils puissent me répondre. Je pourrais leur mettre ça de la façon que je veux ici, en gras, souligner, rajouter un lien. Mais juste la question comme ça me va. Ensuite, je peux leur ajouter une image à mon devoir. Donc, je vais aller leur chercher une image d'animal ici, comme ça, pour les inspirer. Donc, ça pourrait être n'importe quoi comme image qui a un lien avec la communication orale que je veux que les élèves fassent. Je peux leur donner aussi, je peux aussi attacher un document. Donc, ça pourrait être le document qui résume leur devoir que j'ai ailleurs. Donc, que ce soit sur mon Drive, je pourrais chercher un document et mettre le fichier joint ici en copiant le lien. Je peux décider du temps, donc de 15 secondes à 10 minutes que je veux que leur communication orale dure. Je peux aller aussi dans les settings, donc les paramètres. Je peux décider justement que je veux que ça soit actif. Pour l'instant, je veux que tout le monde puisse le voir. C'est aujourd'hui que je publie. Je mets l'année 2022. Je pourrais décider que ça soit au mois de juin. Donc, je pourrais aller rajouter le 6 juin comme date où je veux qu'ils présentent leur vidéo qu'ils vont devoir créer. Moderate video and comments. Donc, je peux mettre en. Je pourrais mettre ouvert, donc la modération. Et ensuite, aller approuver chacun des commentaires, là. Donc, est-ce que je veux ici que les commentaires. Donc, on peut se mettre des commentaires, vidéo et texte, ou vidéo et texte, vidéo en commentaire, des textes. Donc, ici, je dis vidéo et texte. 1 minute 30 secondes. Sous-titres. Donc, est-ce que je veux des sous-titres? Non, je n'en veux pas. Ensuite, les réponses. Est-ce que je veux qu'ils mettent des liens, qu'ils vont pouvoir télécharger des choses et les partager? Est-ce qu'ils vont pouvoir liker les vidéos des autres élèves? Puis est-ce qu'ils vont pouvoir mettre un display view count? Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir compter le nombre de vues de leurs vidéos? Donc, je pourrais tout fermer ça, mais ici, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas que, on puisse mettre des likes ou des commentaires, mais je pourrais enlever tout ça pour pas qu'il y ait de commentaires sur les vidéos des autres. Au niveau de la caméra. Donc, oui, je veux que la caméra soit ouverte, que les textes soient, on peut mettre des textes, des dessins, des photos, des collants, un cadre. Je veux aussi qu'ils puissent mettre des GIFs, des filtres. Donc, ici, ça ne me dérange pas que les élèves puissent en mettre, mais si je veux pas qu'ils puissent mettre des GIFs, donc vous allez pouvoir voir plus tard que les élèves peuvent s'ajouter des GIFs. C'est peut-être pas la meilleure chose, là. Ça peut être drôle au départ, mais si vous voulez l'enlever, on peut l'enlever. Donc, pour les gens qui vont visionner, donc si je voulais partager aux parents ici, donc je pourrais ajouter un mot de passe pour que la famille et les invités puissent voir ce qui a été fait. Donc, je veux sauver mes changements. Donc, je veux les enregistrer. Je pose comme ça ici. Et là, tout est fait pour l'envoyer où je veux. Donc, je peux l'envoyer dans Classroom. Donc, dans Classroom, vu que je suis reconnue avec mon adresse Google, donc mon Classroom s'est joint, donc a été reconnu. Donc, je peux choisir d'élaborer un devoir dans une classe ici. Donc, je vais aller dans Élaborer un devoir. Je vais tasser ma petite flèche et je vais créer sur OK. Donc, on l'a maintenant, mais dans l'interface de Classroom. Donc, je peux redire ce que je veux exactement. Les élèves vont avoir accès ici au lien pour créer leur vidéo et ensuite, je vais faire publier le devoir aux élèves. Donc, on peut afficher pour voir qu'est-ce que ça va avoir l'air du côté de l'élève. Donc, du côté de l'élève,
ici, animal, ils vont pouvoir peser ici et pouvoir s'enregistrer par la suite. Donc, ils vont pouvoir rajouter une réponse. Mais là, ce n'est pas l'interface de l'élève que je vais montrer aujourd'hui, c'est vraiment l'interface de l'enseignant. Donc, j'aurais pu aller copier dans Teams aussi, Twitter, intégrer un code. Donc là, tout est beau. Mes élèves vont pouvoir faire leur devoir en communication orale et me le rendre via Classroom. Alors, voici comment créer un devoir pour que mes élèves puissent me répondre en vidéo.